4 zombies sont arrivés sur GTA Online et tu vas pouvoir récupérer grâce à ces activités 2 éléments rares cette semaine. C'est très simple, tu as juste à survivre aux vagues de zombies sans mourir. Eh bien salut tout le monde, c'est Necro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va voir ensemble la nouvelle survie zombie qu'ils ont sorti sur GTA Online. Bref, on va voir aussi les éléments en même temps à débloquer. C'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la survie du mode zombie. C'est très simple, faut aller dans activité, jeu activité créé par Rockstar et directement aller dans les survies. Il y en a qu'une, c'est la survie de Northampton dans la neige, dans le prologue du mode histoire. Donc ça fait plaisir, dans le fameux cimetière. Le but, c'est qu'il faudra survivre 3 vagues sans mourir sur les zombies. Après, vous pouvez mettre les manches en illimité, tout dépend ce que vous voulez faire. Mais attention, les zombies sont très très robustes. Comme vous voyez à l'écran, justement, il y a des zombies aussi enflammés et il y a des zombies blindés, etc. Même des animaux possédés. Quand tu auras survécu aux 3 vagues sans mourir, tu pourras récupérer un t-shirt limité exclusif avec ce masque qui se retrouve dans le magasin des masques, et le t-shirt se retrouve justement forcément dans les t-shirts limités dans le cinéma. Mais aussi, si tu as terminé aussi 10 manches sans mourir, tu vas pouvoir débloquer la fameuse tenue des neiges, donc le survivant de Northampton. Mais aussi, si tu as participé au survie zombie et que tu as le GTA+, tu vas pouvoir débloquer la tenue momie en exclusivité, donc n'hésite pas à la récupérer. Vraiment, pour ma part, la survie zombie est exclusive, vraiment, elle est en temps limité. N'hésitez pas à en profiter, en plus, ça va pas durer longtemps, ça va durer juste l'event d'Halloween. Donc n'hésitez pas à vous éclater entre pods et survivre au mode zombie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé les gars. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer comme d'habitude les notifications. Sur ce les gars, c'était Necro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Go et à la prochaine.